Avez-vous déjà rêvé de faire un voyage dans le temps? D'être transporté dans le passé et de rencontrer nos ancêtres, les plus lointains. Savoir s'ils étaient comme nous, ou bien très différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, c'est possible désormais. Chaque jour, des préhistoriens, des archéologues et des linguistes retrouvent les traces de la pensée des premiers hommes laissées dans la matière. Des traces qui marquent leur passage sur la Terre. À partir de là, ils tentent de comprendre pourquoi notre espèce a créé ses premiers chefs-d'œuvre et comment elle est arrivée à dominer la planète. À quel moment de notre évolution avons-nous commencé à parler, à peindre, à jouer de la musique et à voyager? Quand avons-nous construit les premiers mondes imaginaires? Et à quel moment naît le besoin de croire? Bref, où, quand et comment se dessinent les contours de l'essence de l'homme? Pour le comprendre, il faut remonter à nos lointaines origines, avant même Homo sapiens. Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, il y a environ 240 000 ans. Si on essaie de visualiser ce que cela veut dire, admettons que 240 000 ans, c'est 24 heures, soit deux tours de cadran sur cette horloge. À cette échelle, chaque heure qui passe, c'est donc 10 000 ans de notre histoire humaine qui défile. Si l'on part du principe qu'il est aujourd'hui minuit, l'histoire avec un grand H paraît bien éphémère. En effet, les événements marquants de nos civilisations se sont tous déroulés dans la dernière heure. On a longtemps affirmé qu'un peuple sans écriture était un peuple sans histoire. Or, au moment de l'invention de l'écriture, il y a environ 6000 ans, il n'était que 23h15 à cette horloge. Cela voudrait-il dire qu'il n'y aurait rien eu d'important à signaler dans les 23 premières heures de l'aventure humaine? Aujourd'hui, la science nous dit que ce qui fait l'homme moderne existait déjà avant lui. Ces découvertes sont stupéfiantes, surtout si on admet que l'apparition du langage commence encore plus tôt, avant l'apparition d'Homo sapiens. Plus question alors de parler en heures, on peut même se passer de l'horloge pour parler en jours, en semaines. Il y a 1 million d'années, une autre espèce appelée Homo erectus vient pour la première fois de se lancer à la conquête du monde depuis l'Afrique. Et c'est Homo erectus, une espèce antérieure à la nôtre, qui va prononcer les premiers mots de l'humanité. Mais les paroles s'envolent. Alors pour retrouver l'écho d'un langage qui vient du fond des âges, il faut prendre des chemins de traverse et retrouver les gestes et les modes de pensée associés pour comprendre comment, en taillant des silex, le prédécesseur d'Homo sapiens fabriquait également des récits. J'ai commencé à tailler adolescent, ce qui m'a en fait accroché, et c'est pour ça que j'ai continué dans un sens, c'est que c'était difficile. La vraie difficulté, c'est dans la capacité d'agencer les éclats pour arriver au résultat souhaité. Cet objet est un biface. C'est le couteau suisse des hommes de la préhistoire. Il perce, tranche, découpe. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de le tenir en main pour ressentir une émotion. Car le biface raconte quelque chose de plus civilisé.
Il est le produit d'une nouvelle intelligence qui unit le geste et la parole et dévoile ainsi la complexité du cerveau de nos grands ancêtres. On voit déjà tout de suite aussi qu'il ne suffit pas d'enlever des séries d'éclats le long d'un bord, j'allais dire bêtement, sans réfléchir, mais qu'il faut combiner ces éclats. On est capable, sur une pièce archéologique, de reconstituer l'ordre des enlèvements. Donc on a eu en fait 1, 2, 3 et 4 ici. L'agencement des enlèvements ressemble en fait à la conduite d'une partie d'échecs, puisqu'il faut calculer quelques éclats à l'avance. Donc on a effectivement cette démarche des échecs qui consiste bien à imaginer une suite d'actions éclat après éclat. Derrière ces mouvements apparemment brusques se cache une action réfléchie et des gestes anticipés dans leurs moindres détails. Par l'analyse des étapes de fabrication d'un biface, les scientifiques peuvent donc identifier des capacités mentales beaucoup plus subtiles. La manière de tailler un biface, c'est exactement la manière de construire une phrase. Quand j'ai une idée à vous exposer avec le langage, je vais commencer mon propos et puis je vais en chasser une petite idée, qu'on appelle une récursivité, puis je vais repartir. Eh bien, en fait, la manière de tailler un biface, c'est ça. Les sens cognitifs et l'imagerie cérébrale nous le montrent aujourd'hui. Quand je pense tailler un outil, quand je regarde un congénère ou une tailler un outil, ou quand je le fais moi-même, c'est les mêmes régions sur les aires pariétales qui s'éclairent. Un logiciel sophistiqué est déjà en place. Appliqué à la préhistoire, « Je pense donc je suis » de Descartes pourrait donc se décliner ainsi. « Je taille, donc je parle. » Cette forme est symétrique, c'est pas n'importe quoi. On a vraiment un modèle, donc ce modèle correspond bien à un concept. Je serais pas surpris qu'à l'époque, les bifaces aient eu un nom, parce qu'en tout cas, ils faisaient déjà l'objet d'une capacité de conceptualisation. Fanga. La linguistique, les sciences cognitives et l'anatomie comparée nous apportent elles aussi les preuves de cette théorie, puisque les paléoanthropologues décrivent des aires du cerveau dédiées au langage développé. Pour dater le langage, il faut donc remonter à l'origine de cette invention technique. Les proto-bifaces, là où l'idée commence à émerger, c'est à plus d'un million cinq en Afrique de l'Est, et à 700 000 ans, dans le site d'Isenia, par exemple, fouillé par une collègue, Hélène Roche, on a plusieurs centaines de bifaces qui sont tous de la même forme et qui sont très très bien taillés. Des preuves d'humanité existent donc bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Conséquence, l'espèce qui précède la nôtre, Homo erectus, est elle aussi notre ancêtre culturel. Ils ont une intelligence technique moderne, voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient capables de philosopher. Ça, j'en sais rien, et on le saura sans doute jamais. Mais en attendant, pour moi, l'essentiel est fait. L'essentiel pour Jacques Pellegrin, c'est qu'Homo erectus n'a pas attendu Homo sapiens pour établir un rapport symbolique au réel, unique dans le règne animal. Homo erectus nous a légué non seulement son intelligence technique, mais aussi le pouvoir d'ordonner et de raconter le monde qui nous entoure. Et de ce pouvoir, nous en avons vite fait une de nos activités favorites. Longtemps resté silencieux, notre monde est alors devenu bavard. Nous vivons aujourd'hui sur une planète de parleurs, de baragouineurs, ravis de transmettre leurs paroles à leurs congénères. Et puisque l'étude d'un silex a ses limites pour percer les mystères du langage humain, les scientifiques préfèrent aujourd'hui se tourner vers les tout-petits. Afin de répondre à cette question, le langage est-il le fruit d'un apprentissage ou bien sommes-nous programmés pour parler ? Quand on pense à l'acquisition du langage, on a cette intuition que ça doit être très facile, parce qu'on voit tous les jours des bébés qui, spontanément, apprennent à parler entre 0 et 3 ans. Et donc, effectivement, cette intuition, elle est fausse. Quand on essaye vraiment
de comprendre comment les enfants pourraient former les catégories sonores de leur langue, apprendre les mots, apprendre la grammaire, on s'aperçoit que chacun de ces problèmes est un problème extraordinairement compliqué. Anne-Christophe dirige un laboratoire en sciences cognitives à l'hôpital de Port-Royal. Chaque jour, elle invite parents et enfants à participer à des expériences. Dès les premiers mois, les tout-petits semblent déjà avoir des compétences linguistiques déconcertantes. Donc, on va mettre les chapeaux sur la tête ? Oui. Oui ? Ok. Jacques a 2 ans. Il connaît déjà quelques mots, mais il ne peut pas encore former des phrases grammaticalement correctes. Ça fait pas mal. Il va pourtant démontrer qu'il est capable d'identifier des erreurs de syntaxe chez un adulte. Oh, voilà. C'est bon, là ? Maurice lui rend le bâton. Les enfants sont assis sur les genoux de leur maman. Ils regardent un petit film. Et dans ce petit film, il y a des phrases qui sont correctes, comme « je lui dis qu'il fera beau demain », et des phrases qui sont incorrectes, comme « je lui donne qu'il fera beau demain ». Et on observe la différence d'activité cérébrale pour ces deux types de phrases. Alice ? La question qu'on a posée dans cette expérience, c'est est-ce que les enfants de 2 ans savent déjà qu'un verbe comme « donner », dont ils connaissent le sens, ne peut absolument pas rentrer dans une construction comme « je lui donne qu'il fera beau demain ». Il lui crie qu'il est content d'être sauvé. Alice lui donne qu'elle va sortir de la maison. D'après les résultats, l'activité cérébrale de Jacques est tout à fait différente quand il entend une phrase bizarre. Alice lui donne qu'elle va sortir de la maison. Ces résultats nous montrent qu'à l'âge de 2 ans, les enfants sont déjà capables de calculer si une phrase est correcte ou pas, alors même que des phrases aussi compliquées que ça, typiquement, ils vont les prononcer plus tard, quasiment 1 an plus tard. Mais ce n'est pas tout. Victor est plus jeune que Jacques. Et pourtant, quand on lui apprend des mots nouveaux, surprise. Tu as vu ça ? C'est un tonnet. Tu sais ce que c'est, toi ? Un tonnet ? Il est où, le tonnet ? Regarde. On constate alors qu'à 18 mois seulement, Victor sait déjà faire la distinction entre les noms et les verbes. Regarde le poisson. Tout ça, ça nous suggère qu'effectivement, il y a des mécanismes d'acquisition spécialisés que les enfants utilisent pour le langage et qui leur permettent de comprendre le langage bien avant qu'eux-mêmes arrivent à s'exprimer correctement. Ces expériences démontrent que le langage n'est pas que le résultat d'un apprentissage, au point qu'on s'interroge aujourd'hui sur une prédisposition biologique de notre espèce à parler. Et aujourd'hui, cette question, elle est vraiment résolue. C'est-à-dire, on est sûr qu'il y a une part d'inné dans l'acquisition du langage. On sait qu'il y a quelque chose d'inné qui permet aux enfants d'apprendre à parler. On ne sait pas ce que c'est. Quand on se pose des questions sur l'inné, on cherche toujours les réponses du côté de la génétique. Une découverte récente a d'ailleurs fait débat. Il s'agit du gène FOXP2. Ce gène joue le rôle de chef d'orchestre lors de la mise en place des voies neuronales. S'il existe chez tous les mammifères, 2 ou 3 acides aminés qui le composent sont présents chez l'homme et chez lui seulement. Ce seraient donc ces 2 ou 3 acides aminés qui pourraient faire la différence entre des chimpanzés intelligents mais incapables de parler et les êtres bavards que nous sommes. Rechercher le gène du langage, ça peut faire hurler nos amis philosophes. Mais nous sommes de pauvres scientifiques, donc il est normal qu'on aille chercher des fondements génétiques du langage. Mais on n'a jamais dit que ça se réduisait à cela. Ce mécanisme d'acquisition du langage, on pense qu'il est extrêmement ancien, aussi ancien que le langage lui-même. Et que les enfants qui apprenaient à parler il y a 200 000 ans, au début d'Homo sapiens sapiens, utilisaient les mêmes mécanismes que les enfants utilisent aujourd'hui. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la Terre dans un wagon doré. Si le mécanisme biologique d'apprentissage joue un rôle important,
Il ne peut donc pas rendre compte à lui seul de la complexité du langage que nous avons produit au fil des millénaires. Un langage parfois poétique, mais pas toujours. Tout autour de la Terre. Le langage est une espèce de monstruosité. Chez les primates, nous avons cette particularité biologique de passer des heures par jour à échanger à propos d'événements très futiles. Il fait beau, t'as vu le dernier match, t'as regardé le dernier film. Vrai, on ne se donne pas des informations sur le monde, on ne donne pas des informations essentielles. 6 heures par jour, nous sommes impliqués dans des interactions langagières. On a une contradiction apparente entre la futilité de nos conversations et le fait qu'elles représentent un fantastique coût. Donc le raisonnement presque élémentaire consisterait à dire parlons moins, utilisons mieux notre temps, utilisons mieux notre cerveau et nous serons bénéficiaires. Or, ce n'est pas le cas. Le bavardage est trop répandu au sein de notre espèce pour que ce soit une invention récente. Il s'agit probablement d'un caractère fort qui était déjà présent au cours de la préhistoire. Mais comment expliquer que le bavardage ait pu avoir une telle importance pour nos ancêtres ? Jean-Louis Dessalles propose une réponse audacieuse. D'après lui, le développement du langage humain serait la conséquence d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'homme : l'invention des armes. Essayez d'imaginer ce qui est arrivé dans une espèce de primate qui était nos ancêtres lorsque l'usage de l'arme, du bâton pointu, de la pierre, a été utilisé pour le meurtre. Notre espèce est une espèce violente, ce n'est absolument pas la seule. Si on regarde les autres espèces de primates, on trouve beaucoup de violence aussi. Dans notre espèce sœur, qui est le chimpanzé, le meurtre existe. Les chimpanzés mâles font des patrouilles à la limite de leur territoire avec l'espoir de trouver un mâle isolé de communauté voisine. Et si c'est le cas, ils l'assassinent. Ils l'assassinent, mais toujours, je dirais, à main nue ou à dents nues. Et ce type de meurtre n'est pas un meurtre sans risque. Même à 5 contre 1, ils sont blessés. Donc le meurtre existe chez les chimpanzés, c'est un meurtre qui est un meurtre direct, qui présente des risques, alors que dans notre espèce, le meurtre est beaucoup plus facile. Si nos ancêtres ont trouvé le moyen de dominer la nature en se procurant des armes, Jean-Louis Dessalles ajoute qu'ils ont vite compris que ces armes pouvaient tout aussi bien se retourner contre eux, pour assouvir une vengeance ou régler un différend. De nombreuses preuves archéologiques attestent d'ailleurs de ces comportements violents. Les êtres humains, de manière universelle, s'agressent les uns les autres, mais avec des armes. Ils attendent pour cela le moment le plus opportun, le moment où l'autre dort ou a le dos tourné. C'est tellement facile. Ce n'est pas évident dans notre société, puisque nous avons une police et une justice, mais dans la vie du chasseur-cueilleur, si vous avez un ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, vous attendez qu'il dorme et vous pouvez le tuer. Cela a bouleversé la politique de notre espèce. En effet, l'invention des armes a pu avoir une portée terrifiante et des conséquences funestes sur la cohésion d'un groupe. Même les plus forts ne sont plus à l'abri. Désormais, l'agression peut viser n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. D'où la nécessité d'inventer de nouvelles parades. Avant l'invention des armes, il fallait être fort pour résister à l'agression des autres. Après l'invention des armes, il faut être renseigné pour résister au risque d'être tué par surprise. La seule parade contre ce risque,
c'est de choisir ses amis de telle manière à ce que vos amis puissent anticiper ce danger et que vos amis ne soient pas eux-mêmes ce danger. Le langage serait la conséquence lointaine du fait que nos ancêtres ont commencé à se tuer par surprise. Cette manie que nous avons d'échanger, de discuter, de se confier serait donc un héritage ancestral. C'est parce que nous avions besoin de compagnons fiables que nous avons été encouragés à parler, à alerter, à dire des choses sur le monde qui nous entoure. Ce besoin vital a très probablement accéléré le développement du langage. D'une certaine façon, nos conversations quotidiennes sont une sorte d'assurance-vie. En partageant nos émotions, nous publions notre profil émotionnel. Nous devenons prévisibles aux yeux de nos amis. C'est une façon de dire « je ne suis pas celui qui est un danger pour toi ». Si nous bavardons autant, c'est parce que le langage a sauvé la vie de nos ancêtres. Non pas par les informations qu'il véhicule, mais parce qu'il nous permet de nouer des relations sociales efficaces dans un contexte d'insécurité potentielle. Chez nos ancêtres, la sélection de l'entourage se faisait sur une base langagière. Les hommes préhistoriques cherchaient à se rapprocher de ceux qui savaient parler, qui pouvaient nommer les choses et bien sûr, raconter des histoires. Ce qui nous rappelle que le langage est avant tout une affaire de parleur et non pas d'auditeur, c'est une affaire de locuteur. L'offre, nous nous battons pour parler, nous ne nous battons pas pour écouter. Sur le marché des amitiés, en général, les gens préfèrent être avec des amis qui sont au courant, qui sont informés. Celui qui est au courant de rien perd des points. Quand quelqu'un est ennuyeux, on cesse de le fréquenter. Nous choisissons nos amis sur ceux qui ont été capables de voir avant nous. Nous sommes friands de la nouveauté parce que nous allons pouvoir la partager, même si cette nouveauté est futile. De la naissance jusqu'à la mort, la tâche sacrée d'un être humain est de s'entourer d'amis, d'amis qui sont fiables, d'amis qui sont capables de le protéger. L'art de la conversation avait donc une importance vitale pour nos ancêtres. Il en allait de leur survie et de la cohésion de tout un groupe. Mais le langage ne peut pas être réduit à sa fonction utilitaire. Depuis des millénaires, nos ancêtres observent le monde et autour du feu laissent libre cours à leur imagination. Le feu, c'est un monde d'ouverture sur la nuit, c'est la protection, c'est des formes qui bougent. Le feu, ça a tout changé. C'est-à-dire que le feu, c'est capital. Vous imaginez le feu qui d'un seul coup, qui vous permet d'avoir chaud, qui vous permet d'être plus indépendant de la lumière, de pouvoir rester autour, de voir un peu quand même quelque chose autour de soi, de se défendre contre les animaux, de cuire sa nourriture. C'est la révolution. Je pense que ça, c'est un facteur pour moi très important pour justement développer le langage. Autour du feu, on raconte toute sa journée. Il suffit qu'on ait vu un tel animal, il va doubler. « Oh là là, on a vu un super bison, un grand mâle. » C'est l'imaginaire qui se crée autour de ces soirées que moi, j'imagine très bien. Et je pense que ça a été transmis parce qu'on est riche de tout ça. Encore une fois, la maîtrise du feu est une invention qui était présente avant l'apparition de notre espèce. Cela fait plus de 500 000 ans que le feu est une source de convivialité recherchée par tous. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Combien de gens actuels adorent ça, se retrouver autour d'un feu? Quelque chose qu'on a en mémoire parce que c'est un comportement très ancien. On est là autour, quelques amis ou la famille, on est autour de ce feu
Et en fin de compte, voilà, on discute, on parle. Le problème de l'homme, c'est ça. Un très très grand éthologue qui s'appelait M. von Eschyle disait « Les animaux sont au monde, les hommes construisent des mondes. » Et peut-être qu'à partir de cette époque-là, ce qui va être une caractéristique de l'homme, du genre homo, hein, c'est justement de se construire des mondes symboliques et de passer à travers des médiations symboliques qui vont se développer. Avoir la possibilité et la chance d'exprimer un langage articulé, c'est être capable de parler de ses rêves et à partir de là, de créer. C'est vrai qu'il est communément entendu que l'art pariétal, c'est quelque chose de relativement facile par rapport aux autres arts. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je sais faire de choses, et plus c'est là où il y a tout à apprendre. Qui mieux qu'un artiste peut nous éveiller à la puissance évocatrice de ses œuvres ? Ici, Alain Fenet réinterprète un des aurochs de la grotte de Lascaux. Il dessinait pas pour en mettre plein la vue, il dessinait pour raconter quelque chose de profond et de vrai. Ça se sent dans leurs traits. Et en plus, il y a une grande habileté derrière ça. En plus, c'est une émotion. Hein. Chaque fois qu'on voit une grotte, que ça soit même une reproduction, hein, Chauvet, Lascaux, c'est toujours extraordinaire. Quoi. On a l'impression qu'ils viennent juste de partir, qu'ils ont laissé tout leur attirail et qu'ils vont revenir. Et ça, il n'y a que cet art-là qui me fait cet effet-là, moi. C'est peut-être parce qu'il y a une dimension de sacré là-dedans, hein, qui fait que on le voit autrement, on le ressent autrement. Sapiens, lorsqu'il accédait au fond des grottes, il rentrait dans un espace hors du commun, un espace dédié, voué à quelque chose de très particulier, avec des stalactites et des stalagmites qu'on ne trouve pas à l'extérieur, en l'état où elles étaient à l'intérieur de la grotte, avec cette profusion d'eau à certains endroits, parce que l'eau c'est quand même un élément vital. C'était un monde totalement magique et ultra puissant. Il venait de franchir la porte des étoiles. Se resbala un montón, ¿eh? Y además es muy traidor, es muy traidor. Nous sommes dans la grotte del Castillo, au Pays Basque espagnol. Francesco De Rico, chercheur au CNRS, est familier de la pénombre de ces cavités. Il les arpente régulièrement pour s'imprégner de l'émotion qui régnait au moment de la naissance de ces mondes symboliques. Il faut savoir que la façon des préhistoriques de vivre la grotte était différente de la nôtre. La température de couleur donnée par des torches déplacées crée des ombres. La grotte est un monde rempli d'ombres qui se déplacent. Je dirais que c'est un être vivant pour les gens qui rentrent. Si Francesco De Rico s'est aventuré dans les tréfonds de cette montagne espagnole, c'est pour lever le voile sur un des plus vieux mystères de la préhistoire. Ces disques sur la paroi. Ils constituent l'une des représentations symboliques les plus anciennes connues à ce jour en Europe. On a l'impression que les points sont faits en crachant le pigment sur la paroi, ce qui laisse des tout petits grumeaux. Et sur certains crachats, les gens après ont passé le doigt et ils ont laissé même presque des empreintes de doigts. Il est souvent difficile de donner un âge à des pigments.
Mais comme quelques-unes de ces représentations sont recouvertes d'une couche de calcite, qui, elle, peut être datée, on peut affirmer que certains de ces points rouges ont été faits il y a au moins 41 000 ans. Donc celle-là, la date pour celle-là. Là, c'est l'âge minimum de 35 000. 35 000 minimum, ok. Les nouvelles datations de Castillo pour les représentations les plus anciennes sont en train de changer l'image que nous avons des premiers comportements symboliques en Europe. Je dirais qu'ici nous sommes dans une des étapes de l'évolution de notre culture matérielle symbolique qui commence bien avant le Castillo. Probablement en Afrique et en Europe, peut-être avec certains comportements qui ont laissé peu de traces archéologiques. Ici, nous voyons une de ces étapes. L'âge de ces symboles repousse les limites de ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Mais comment les interpréter? Cette figuration abstraite peut-elle être considérée comme de l'art? Nous les voyons comme des simples marques rouges, mais derrière ces comportements, il y a des significations parfois fondamentales. Derrière ces points rouges, il y a une histoire, il y a des contes, il y a des traditions dont tout nous est perdu, mais que sans doute encore sont reflétées par ces points sur les parois. C'est la grotte elle-même qui devient un élément de culture matérielle symbolique. La grotte est le support de rêves, de symboles, et c'est aussi un milieu contraignant, parfois difficile, dans lequel on peut se faire mal. Donc c'est le lieu idéal pour, par exemple, des cérémonies d'initiation. Il y a à l'intérieur du groupe des personnes qui initient d'autres personnes et qui ont un rôle dans la cohésion du groupe. Et il permet au groupe d'entretenir des relations avec un monde de l'au-delà ou un monde qui n'est pas visible. Il est possible que, justement, il y a des moments où ces points, ces traits, voulaient dire quelque chose pour informer ce qu'allait venir. Je m'imagine très bien un groupe qui vient, qui fait ses cérémonies et tout, il peut très bien là aussi laisser un message à des groupes suivants. Voilà, ça peut être une façon de correspondre aussi. Dans certaines grottes d'ailleurs, des collègues préhistoriens disent que peut-être que c'était des lieux de rencontres annuels. Hein, on sait que ces peuples de chasseurs-collecteurs, ils ont des cycles de déplacement annuels. Quand il y a des périodes propices, eh bien, les groupes se rencontrent. À l'origine de ces comportements codifiés, il y a déjà un rapport avec le sacré. La grotte ornée n'est pas un lieu de vie quotidienne, c'est un sanctuaire. Alors, qui avait le droit de pénétrer dans ces cavernes? Quelles histoires, quels mythes étaient ici à l'œuvre? Difficile d'apporter des réponses précises. On peut en tout cas affirmer que nous nous trouvons ici devant certaines des plus anciennes traces d'expression symbolique destinées à véhiculer un message. À qui? Mystère. Et là, on se retrouve dans un contexte qui fait qu'on est en pleine communion et le cœur des hommes, l'âme des hommes, se forme une énergie très 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 forte et qui peut amener à des transes, qui peut amener à plein d'autres choses. Après, quelles sont les finalités? J'en sais rien, mais en tout cas, ça devait être très 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 fort. J'aurais aimé assister à ce genre de réunion. On sait que les sons étaient exploités à l'intérieur des grottes. Et pour moi, actuellement, quand on parle d'art préhistorique, j'entends toujours mes confrères parler uniquement de peinture et de gravure. On ne prend pas en compte la dimension sonore des grottes.
Il se trouve que l'abbé Breuil, par exemple, eh ben, ou l'abbé Glory, en visitant au XIXe siècle, avaient déjà, eux, remarqué qu'à proximité de ces dessins, dans certaines grottes uniquement, ces stalactites et stalagmites, présentaient des séries d'impacts à un endroit donné. Les impacts ont été analysés comme étant des impacts pour émettre des sons, et les dessins qui étaient à proximité pouvaient avoir une relation entre ces sons et ces dessins. C'est les premières grandes salles de théâtre ou de cinéma préhistoriques. Et ça, c'est magnifique. Et je suis persuadé que c'est probablement le son, dans la plupart des cas, c'est probablement le son qui a permis à l'homme préhistorique de s'installer là, en trouvant l'espace nécessaire pour des réunions, et ensuite d'appliquer sur les murs ce qu'ils avaient envie d'appliquer. En fait, toutes les formes d'art ont été inventées par ces hommes, et on sait qu'ils avaient des flûtes, on sait qu'ils avaient des tambours. Oui, il y avait des chants, il y avait de la musique, il y avait des danses. Je crois que, sans parler d'opéra, il est tout à fait évident que ces différentes formes, certainement, de création artistique, le chant, la danse, la poésie, la narration, aient pu être liées dans de grands événements. Je pense que ça aussi, ça fait partie des comportements ancestraux. Voilà, le petit enfant, tout de suite, il prend un truc, pouf, pouf, il tape. Ce sont vraiment, à mon avis, là, des comportements très ancestraux et qui expriment aussi énormément. La musique et la danse sont des formes d'art très difficiles à appréhender. Et pour une raison simple, il n'en reste souvent aucune trace. On peut quand même imaginer l'effet produit en observant ce que déclenche cette mélodie chez les tout-petits. Et même chez nous. Là, on a un exemple typique d'une découverte faite exclusivement dans les collections du Musée de l'Homme au département de préhistoire. Ces objets ont été étudiés par plusieurs chercheurs. Tous les préhistoriens connaissent ces objets. Qu'on a appelé un temps des pilons sahariens. Ces objets ont été trouvés dans les sables du Sahara, au Maroc, au Niger, en Algérie ou en Mauritanie. Les plus vieux ont environ 10 000 ans, et on a longtemps imaginé qu'ils servaient de pilons ou d'ustensiles à broyer. On pensait qu'ils étaient saisis de cette manière-là, et on brossait des meules dormantes sur lesquels il y avait des céréales, pour fabriquer de la farine. Donc il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur ces pilons sahariens, et ils ont tout dit. Que ce n'était pas fait pour piler, ce n'était pas fait pour ça. Mais aucun d'entre eux n'a pensé à une autre dimension, c'est-à-dire défaire l'objet d'une fonction d'outil. Parce que pour moi, ce n'est vraiment pas un pilon saharien. J'ai commencé à taper sur l'instrument. Et je me dis, tiens, c'est quand même intéressant. On entend des harmoniques. C'est-à-dire que c'est pas un bruit. Ça, c'est un bruit. Ça, ce sont des harmoniques. C'est quelque chose de plus précis, quelque chose de plus agréable à l'oreille. Je suis mince. On a des instruments de musique. C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait comme dans les grottes. On est sur des instruments qui ressemblent aux stalactites et aux stalagmites, parce qu'elles ont à peu près la même forme. Si on les met dans la verticalité, on les imagine ici attachés au plafond, on a l'équivalent d'une stalactite ou une stalagmite. La grande révolution ici, c'est que ce sont les premiers MP3 de l'humanité. Parce que ce son-là, on peut l'emporter avec soi et sur des milliers de kilomètres. Celui-ci, on le sait par la constitution de la roche, a parcouru plus de 1000 kilomètres dans le désert.
Nous, on l'a baptisé le Stradivarius parce que c'est lui qui émet les plus beaux sons et qui a les plus belles résonances. La magie de cet art musical qui est ici, si on veut bien l'accepter en tant que tel, c'est que le son que l'on perçoit ici, c'est exactement le son légué par les hommes de la préhistoire. Voici la reproduction d'une flûte trouvée sur un site de fouilles en Autriche. Elle a un peu plus de 18 000 ans. Wulfhein ne sait pas très bien jouer de la flûte préhistorique. Mais il est passé maître dans l'art de tailler des instruments avec les mêmes outils que nos ancêtres. C'est un travail de longue haleine. Pour tailler un petit mammouth comme celui-ci, il faut compter 30 à 40 heures. Et au bout d'un moment, ça donne des ampoules. C'est vraiment épuisant. On a besoin de la culture pour se comprendre. Sans culture, on finirait par se taper dessus. La culture, la religion, la musique, c'est un tout. Et quant à cela, s'ajoute un vrai savoir-faire artisanal. On est armé pour survivre pendant l'ère glaciaire. La dernière période glaciaire a débuté il y a 100 000 ans. Sur le continent européen, il y a environ 40 000 ans, les températures sont brutalement tombées sous la barre des moins 25 degrés en hiver, pour rarement plus de 10 degrés en été. C'est dans ce contexte qu'émergent les premières grandes pièces de sculpture dans le sud-ouest de l'Allemagne. En 2009, j'ai essayé de faire une copie de l'homme-lion, une statuette qui a été retrouvée dans la vallée de l'Aune. Cette sculpture a environ 37-38 000 ans. Elle a été sculptée d'un bloc dans une défense de mammouth. Cette représentation unique en son genre a été découverte en 1939. Avec ses 30 cm de hauteur, c'est la plus grande de cette période. Taillée dans l'ivoire, elle montre un corps humain surmonté d'une tête de lion. C'est une œuvre anthropomorphe mystérieuse, émouvante même. La faune du continent européen était alors bien différente de celle d'aujourd'hui. On pouvait croiser des mammouths, mais aussi tomber nez à nez avec le plus grand félin de la préhistoire, le lion des cavernes. Un grand prédateur qui rôdait de la Sibérie jusqu'en Europe du Sud pendant toute l'ère glaciaire. Cet animal devait exercer une véritable fascination sur nos ancêtres. Du moins si l'on en croit le temps et l'énergie qu'il faut consacrer pour tailler un objet pareil. Était-ce un travail de commande? Combien de temps a-t-il fallu pour le sculpter? Un jour, une semaine, un mois? Peut-on sculpter un tel objet à ces moments perdus? En rentrant de la chasse, par exemple? Ou faut-il s'y consacrer à temps plein? Ce n'est que par la pratique que l'on peut répondre à ces questions.
C'est un travail sans fin. J'ai passé des mois entiers dans le jardin à gratter, à tailler, à racler, à travailler les petits détails comme les oreilles, les yeux. Pour en arriver à ce résultat en utilisant les outils de l'époque, il faut s'y consacrer pendant au moins 400 heures. 400 heures, soit 6 semaines d'efforts continus à raison de 8 heures de travail par jour. Après avoir essayé de la reproduire, Wolfhein sait ce qu'il en coûte de réaliser une œuvre pareille. Elle témoigne de l'importance symbolique que lui accordait l'artiste. Je pense que l'homme lion a été sculpté en une seule fois. L'auteur a dû passer tout un hiver à le faire. Dans l'imaginaire collectif, les humains de l'âge de pierre portent des grosses peaux de bête et se comportent comme des sauvages primitifs. Mais quand on veut créer un objet comme celui-ci, le sculpter dans une défense de mammouth, il faut être en mesure de se le représenter en trois dimensions. En effet, il ne s'agit pas de reproduire une figure animale qui existe dans la nature. Nous sommes au-delà de l'art figuratif. La combinaison d'un corps humain et d'une tête de lion représente le premier être imaginaire de l'histoire de l'art. Il est le fruit d'une idée qui a émergé il y a plus de 40 000 ans. Mais alors, qui était l'homme lion? Un totem? L'incarnation d'un mythe? Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que malgré la rudesse des temps préhistoriques, de grands artistes sont déjà à l'œuvre. L'aiguille à coudre a été inventée il y a environ 15 000 ans. Je l'ai fabriquée à partir de cet os, en le raclant comme ceci. Si on n'a pas de vêtements bien ajustés près du corps, on ne peut pas sortir chasser pendant l'âge glaciaire. C'est impossible. Quand il fait moins 30 degrés, on ne peut pas se contenter de sortir avec une peau de bête sur les épaules. Sinon, on crève de froid. C'est pourquoi l'aiguille est une des inventions les plus importantes de l'humanité. Tout cela se passe dans la tête. J'ai besoin de quelque chose de précis, et pour cela, je décide d'inventer les outils nécessaires. Pour y arriver, il me faut de l'expérience et un savoir-faire artisanal. Et là, on se rend compte que ce n'était pas des imbéciles à grognements, ça ne marche pas. C'était forcément des gens qui en avaient dans la tête. Dans le petit cabinet de curiosité de Wolf, on trouve des outils, des pierres taillées et des armes. Mais aussi des objets plus mystérieux. Avec ses petites merveilles de délicatesse, c'est une galerie de portraits de nos ancêtres que Wolfhein arrache au néant. Celle-ci a été découverte récemment et s'appelle la Vénus de Hohlefels. Elle a entre 38 et 40 000 ans et a été sculptée dans l'ivoire. Elle devait être portée autour du cou. Regardez l'œillet juste ici. J'imagine qu'on y enfilait un ruban en cuir et qu'elle tenait sur la poitrine. Comme on peut le voir sur l'original, les deux côtés de la pièce sont polis. C'est sûrement parce que la figurine se trouvait entre les seins d'une femme. La Vénus de Hohlefels est la plus ancienne sculpture de femme connue à ce jour. Portée autour du cou, elle devait servir d'amulette à sa propriétaire. Voici la Vénus de Brassempouy, dit la dame à la capuche. Cette femme a probablement existé. Les traits sont tellement précis qu'on pense qu'il s'agit du portrait d'une vraie personne de l'époque. Elle a peut-être posé pour les besoins de cette œuvre.
La Vénus de Gunnersdorf a environ 16 000 ans. Dans ses représentations féminines, on reconnaît le postérieur et la poitrine. Mais elles ne sont pas sculptées de manière réaliste. Il s'agit d'une représentation radicalement abstraite. Quand on sait que cette Vénus a été sculptée il y a 160 siècles, il devient difficile d'affirmer que toutes les formes d'art moderne ont été inventées seulement au siècle dernier. On peut constater une certaine évolution, non pas du laid vers le beau ou du grossier vers le raffiné, mais des époques distinctes avec des orientations artistiques propres. Entre chacune de ces périodes, ce sont 10 000 ans qui se sont écoulés, pendant lesquels on n'a jamais arrêté de produire des œuvres. Cela prouve que l'art a joué un rôle fondamental. On pense toujours que les inventions, les formes artistiques comme la peinture ou la musique,